Bienvenue à notre émission Point de vue. Nous sommes toujours heureux de vous savoir à l'écoute de cette émission. Vous, vous rappelez sans aucun doute que dans une de nos dernières émissions, nous avons parlé de prophéties. L'intérêt pour les prophéties, actuellement, eh bien, augmente dans la mesure où, semble-t-il, Saint-Malachie aurait prévu que le pape Ratzinger serait l'avant-dernier des papes après ce serait la fin du monde. Mais nous avons vu que les prophéties bibliques sont bien différentes des prophéties de Nostradamus, de Saint Malachie et d'autres. Dieu, avons-nous dit, dans la Bible se présente comme étant celui qui seul connaît l'avenir, qui seul maîtrise l'avenir. Mais en fait, existe-t-il vraiment une prophétie concernant notre époque Oui. Et nous allons ensemble voir cette prophétie. Elle se trouve dans, dans le, le livre du prophète Daniel. Nous sommes en 605 et le, le roi Nebuchadnezzar règne en maître sur l'empire babylonien et, dans une certaine mesure, sur le monde. Avec la guerre de l'Irak, avec l'épopée de Saddam Hussein, Babylone, Nebuchadnezzar, l'Euphrate sont des choses que nous connaissons maintenant pour les avoir vues et entendu et au travers des, des, des explications de cette guerre d'Irak. Cette euh, histoire donc du colosse se trouve au chapitre 2, comme, comme nous l'avons dit. C'est Daniel, un des Juifs en exil à Babylone, qui parle. Il était parmi l'élite, les sages de Babylone, et on s'attendait à ce qu'il soit en mesure, lui, d'expliquer au roi un rêve qu'il venait d'avoir. Daniel a l'explication du rêve et il raconte au roi, premièrement, ce rêve, au roi tu regardais, et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi, et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue, et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta, et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà donc, dit Daniel au roi le songe. Quels sont les principaux traits de la vision du colosse au pied d'argile Et cette vision est-elle encore valable aujourd'hui Relevons, avant de voir l'explication de ce songe que donnera Daniel, quelques éléments qui, me semblent, qui nous semblent pertinents par rapport à notre époque. Et là, je vois notre monde dans son ensemble. Au verset 31, il est dit Tu regardais, tu voyais une grande statue. D'une manière générale, dans beaucoup de civilisations, et même aujourd'hui, la statue, la statue d'un homme, a représenté l'univers, le cosmos. Nous voyons bien Atlas, n'est-ce pas, dans la mythologie grecque, soutenant l'univers. L'histoire de tous les hommes peut, dans cette mesure, se, se vérifier dans l'histoire d'un seul homme. C'est Pascal qui émettait cette idée. Eh bien, cette statue, elle est immense, elle est d'une splendeur extraordinaire, elle est debout. Et, et j'aime bien ces qualificatifs, car nous sommes en effet dans un monde immense, un monde d'une splendeur extraordinaire. Les capacités technologiques de l'homme aujourd'hui ont dépassé les limites. On a parfois l'impression qu'il est capable de faire tout ce qu'il veut. Les prouesses de l'homme, les réalisations de l'homme nous donnent parfois ce sentiment de grandeur, ce sentiment extraordinaire. Et je crois que ce détail mérite d'être relevé. Mais en même temps, cette statue a un aspect terrible. Si, si nos, nos civilisations, et particulièrement la civilisation occidentale, a atteint des sommets technologiques, cette civilisation est aussi la cause de, de guerres effroyables, la cause de destructions inimaginables. Nous avons eu l'occasion de rappeler, vous l'avez lu plusieurs fois, que notre civilisation est probablement la civilisation la plus barbare qui soit. Martin Rees, ce, cet homme de science, dans son livre Notre dernier siècle, rappelle que les guerres ont fait beaucoup plus de morts que toutes les catastrophes naturelles ensemble. Plus de 180 millions de morts causées par l'homme. C'est l'homme qui tue l'homme. Donc, un monde admirable, impressionnant par sa technologie, mais effrayant par sa capacité de destruction. Et nous sommes toujours à la veille d'une catastrophe nucléaire, à la veille d'une destruction de l'homme par l'homme. Voilà donc un élément qui, qui semble coller à la réalité de notre, de notre monde. Et vous constatez dans la description que donne Daniel que les métaux vont dans, vont, vont dans un sens décroissant. Après l'or, nous avons l'argent, après l'argent, nous avons l'airain, après l'airain, nous avons le fer et ensuite l'argile. Dans la perspective biblique, prophétique, le monde n'évolue pas. Ou si, si il y a évolution, cette évolution est régressive. Cette ré évolution est une évolution qui, qui va de détérioration en détérioration. Ces deux éléments me semblent collés à la réalité de notre époque. Et alors, à partir du verset 37, Daniel donnera au roi le sens de cette vision. Il dira au oh roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. » Daniel a vécu au temps de Babylone. Il va vivre au temps des deux autres empires de l'empire médo-perse qui suivra. Donc, si un métal représente un royaume, et notamment l'or, l'empire babylonien, les autres métaux eh bien représentent forcément d'autres royaumes qui vont se succéder, ayant une, des, des forces euh, décroissantes. Beaucoup d'interprètes ont vu dans, ce, dans cette vision l'histoire géopolitique de l'Europe. Et le premier interprète de cette vision est un certain Hippolyte de Rome, et cela remonte au IIe siècle. Eh bien oui, au IIe siècle, Hippolyte de Rome expliquait ainsi cette vision. Comment donc, en ces événements prédits autrefois par Daniel à Babylone, ne reconnaîtrions-nous pas ce qui, de nos jours, est en train de s'accomplir dans le monde Hippolyte vit au temps de l'Empire romain. À cette époque régnaient les Babyloniens. Ils étaient la tête d'or de la statue. Après eux, les Perses furent les maîtres pendant 245 ans, ce qui prouve qu'ils représentent l'argent. La domination passe ensuite aux Grecs pour 300 ans à partir d'Alexandre de Macédoine. C'est les reins. À ceux succèdent les Romains, c'est-à-dire les jambes de fer de la statue, puisqu'ils sont forts comme le fer. Puis viennent les doigts de pied qui indiquent les démocraties futures. J'aime bien l'expression d'Hippolyte qui parle de démocratie future. Lui vit au temps des Romains. Eh bien, ces démocraties futures qui se sépareront les unes des autres, comme le sont les doigts de la statue composé de fer et d'argile. Donc nous sommes là, n'est-ce pas, dans l'histoire de, 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 de l'Europe, ces nations barbares qui constituent aujourd'hui les nations européennes, ces nations barbares eh bien, qui ont envahi Rome. Et c'est dans ce sens que nous disons que cette prophétie est d'une actualité brûlante, car nous sommes au cœur même de la construction européenne. Et vous relevez qu'il y a un élément dans cette histoire qui sera un élément trouble-fête, car dans la dernière partie de la statue, de, de l'histoire, nous avons l'apparition de l'argile, de la boue, qui justement est la cause de la division. Ils ne seront jamais unis en parlant des différents rois, de ces différentes démocraties eh bien, qui constituent les pieds de la statue. Dans le temps de ces rois, eh bien, donc, ces démocraties ne seront jamais unies par rapport à cette argile. Les interprètes arrivent à la conclusion que l'argile signifie, a une connotation religieuse. L'argile nous rappelle la création de l'homme dans ses rapports avec Dieu. Donc l'argile a une connotation religieuse. Et l'histoire de l'Europe démontre clairement que la, la religion chrétienne particulièrement a joué un rôle déterminant d'unité parfois et de division et de séparation. C'est dans ce sens eh qu'il me semble que cette vision et son interprétation est d'une actualité brûlante. J'ai entre les mains, dans, la, dans une collection appelée Questions de vie, euh, écrit Ici par Olivier Bell, Alain Duhamel, Pierre Jocques, Jean-Marie Lustiger et Paul Ricoeur, eh bien, euh, une réflexion sur le christianisme et son impact aujourd'hui. Alain Duhamel, dans la partie qu'il qu traite, rappelle que l'Europe et les religions forment un couple indissociable et tumultueux. Historiquement, l'Europe est la fille aînée du christianisme. Le vieux continent a été le premier à être évangélisé. Europe et christianisme ont une histoire commune, une culture commune, une mémoire commune. En ce sens, dit-il, la querelle de la constitution européenne constitue un authentique paradoxe. Bien sûr, dit-il, cette histoire n'a pas été une histoire calme et tranquille, bien au contraire, le christianisme et l'Europe ont une longue mémoire commune, mais ce n'est pas toujours, tant s'en faut, une mémoire évangélique. L'impitoyable violence des guerres de religion, l'engagement des églises chrétiennes dans le terrible conflit séculier n'appartiennent pas seulement au passé lointain. Donc, l'argile a été constamment dans l'histoire européenne un élément de division, un élément de séparation. Et Alain Duhamel semble indiquer que cet élément est toujours existant. Et en effet, à la page 35 de ce petit ouvrage, il rappelle, par rapport à cet élargissement de l'Europe, que le catholicisme est présent dans cet élargissement. 82% des pays eh bien, de cet élargissement sont encore des pays où les, les, les gens sont croyants. 80% de la population de ces pays sont des, gens, sont des populations croyantes. Plusieurs de ces pays ont une religion d'État, le luthéranisme, l'orthodoxie ou alors le catholicisme. Plusieurs eh bien, ont encore dans leur constitution une allusion à Dieu et plusieurs ont un concordat avec la France. Donc sa thèse est que la religion chrétienne, particulièrement le christianisme catholique, est encore... Présente aujourd'hui en Europe. Et je crois que cette indication est intéressante, parce que le pape Ratzinger a rappelé il y a quelques jours de cela que l'Europe ne pourra pas se faire sans des valeurs chrétiennes. Et cela me rappelle une déclaration que j'ai relevée du journal Le Monde, où pour Jean-Paul II, c'est clair, pour le pape, la perspective de l'unité européenne est longue. Elle va bien au-delà de Maastricht pour unir vraiment les européens, les peuples balkaniques, germaniques, slaves, latins, anglo-saxons, il faut, dit le pape, dit jean-paul ii, plus que les arrangements techniques, il faut un ensemble d'idées communes que seul le christianisme peut apporter. ce sera une sorte d'union chrétienne. et, dernièrement, la revue très, très, très discutée, goliath, eh goliath, bien, présenté toute une tout, tout un document sur la reconquête de l'Europe par l'Église catholique. Mais Daniel termine son chapitre, son histoire, son, l'explication de sa vision, en rappelant tout simplement qu'un royaume vient, qu'un royaume vient que nul ne peut détruire, un royaume qui, qui s'installe sans le secours d'aucune main. Et il dit au roi Nebuchadnezzar ce songe est véritable et sa réalisation est certaine. Et je pense pouvoir dire, sans aucun risque de me tromper, que jusqu'à maintenant, le colosse au pied d'argile est d'une actualité pertinente. Merci d'avoir été à l'écoute. Nous vous retrouverons dans une prochaine émission.